con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Mère Isabelle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez besoin de moi, j'imagine. Mère Isabelle, je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous m'avez jamais dit que vous connaissiez ces gens? Comment ça se fait que vous connaissiez monsieur Ezequiel Lopez Mendez? Non, Camila. Bon, à vrai dire, ma fille, on aura tout le temps plus tard pour que je réponde à toutes les questions que tu souhaites. Et oui, en effet, monsieur Lopez Mendez, c'est vrai que j'ai besoin de vous. Je viens pour le don que vous donnez de temps en temps à l'orphelinat du Christ Rédempteur. Je vais chercher Astrid. C'est la présidente de la fondation. C'est elle qui va s'occuper de la transaction. Et excusez-moi. Merci. Écoutez, monsieur Lopez Mendez, je suis vraiment désolée pour tout ce scandale que j'ai fait, mais je ne savais pas que vous aidiez l'orphelinat Christ Rédempteur. Et ça change absolument tout. Et ma mère, avant que vous me grondiez, je me disputais parce que Chila m'a traitée de voleuse et vous savez parfaitement que je préférerais mourir plutôt que de voler quoi que ce soit à quelqu'un. Tu parles peu mais bien, Camila. Mère Isabelle, entrez dans mon bureau. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Lopez Mendez. Vous savez, je peux parfaitement attendre ici. Mais si, Camila, allez-y. Arrête maintenant. Profitez-en. Madame, voici Astrid. C'est la présidente de la fondation dont je vous ai parlé. Elle va vous recevoir. Merci. Bonjour. Au nom des enfants de l'orphelinat pour votre aide, madame. Bon, maintenant que tout est rentré dans l'ordre et que les tensions sont retombées, on va pouvoir commencer pour ton premier jour de travail. T'as trouvé un travail? Mais c'est super! Ah, Camila, je ne savais pas que tu travaillais ici. C'est génial, ma chérie. Bon, vas-y, vas-y, on se parle plus tard. Oui, oui, on se parle plus tard. Et surtout que Dieu te bénisse et te protège, ma chérie. Venez dans mon bureau. Ensuite, on remplira les formulaires pour faire une importante donation. Très bien. À bientôt. On va voir comment ces imbéciles de Capriccio vont faire pour vendre sans leur catalogue. Ah, papa va être tout content. Leandro, qu'est-ce qui se passe? Je t'emmène à l'hôpital? Non, non, non. Leandro... Non, 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 c'est bon. Je vais bien, j'ai juste du mal à respirer. Leandro, respire. 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 T'inquiète pas, c'est rien. Respire. On bouge, on bouge, on bouge. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. On y va, on y va. On y va, on y va. Allez, monte, monte. Écoute, je vais te dire une chose, Ezequiel. Cette brute, cette bonaria mal élevée, c'est en prison qu'elle devrait être. En prison, entourée de 500 hommes armés, pour être sûre qu'elle ne volera plus. Non, non, non. En fait, cette femme a besoin d'un homme qui lui calme ses envies. Je ne sais pas pourquoi Max a payé la caution pour la sortir. Ah ! Alors Max l'a sortie de prison, a payé sa caution et n'a pas porté plainte ? C'est intéressant. C'est clair.
parce que je suis sûre à 100% qu'elle a profité de ce pauvre Max pour lui rendre la liberté. C'est vraiment injuste, Ezekiel. C'est un énorme manque de respect pour moi, qui suis quand même ton associé. Arrête d'être jalouse, Chila. Mmh. Tu sais que tu es l'une de mes amies spéciales. Ne joue pas avec moi, Ezekiel. Non. Ne me donne pas des idées. Parce que parfois, tu sais, c'est mieux de ne pas mélanger les affaires et le plaisir. Je suis amoureuse de Sébastien depuis le premier jour où je l'ai vu. Comment ? J'étais à une fête avec une amie et elle me l'a présenté tout spécialement parce qu'elle savait qu'il était le fils d'Ezekiel Lopez Mendez. C'est précisément à cet instant que tu aurais dû t'en aller de cette fête, Amelia. Mais enfin, pourquoi ? Je voulais le connaître, c'est tout. Je voulais savoir si tous les enfants d'Ezekiel étaient comme mon père les décrivait. Bon, et du coup, mon ami et tous ceux qui étaient à la fête s'attendaient à ce qu'on se crie dessus, qu'on se parle mal, qu'on se batte. Eh ben en fait, c'était tout le contraire, maman. Sébastien s'est comporté comme un prince de conte de fées. Et il m'a traité comme une véritable reine. Oh, ma chérie, tu as choisi le pire candidat pour tomber amoureuse. Comment as-tu pu imaginer qu'il n'y aurait pas de problème avec Sébastien ? Tu es la fille de Fausto, et il est le fils d'Ézéchiel. Allez voir quel itinéraire ont pris ces catalogues. À cette heure-ci, ils devraient déjà être ici. Tu crois qu'Ézéchiel les a interceptés ? Allô ? Eh ben, faites-le entrer. C'est le chauffeur de la livraison. Où sont les catalogues ? Monsieur, ils m'ont attaqué en plein jour. Écoutez, j'ai essayé de les éviter, mais ces types allaient me tuer. Ils voulaient seulement le camion. Ils ont tout déchargé et ils ont mis le feu. J'espère qu'on va pas découvrir que tu les as aidés. Parce que si c'est le cas, t'es mal barré. Emmène-le, Aldo. Sors-le d'ici. Ezekiel m'a eu encore une fois. C'est demain qu'on lance le nouveau produit et il faudra être bien préparé. Vous allez risquer votre peau, s'il le faut, mais je ne veux pas d'autre erreur. Parce qu'Ezekiel va vouloir le saboter, cet événement. Aldo ! Aldo ! Aldo ! Oui, monsieur. Tu vas aller à l'aéroport et chercher Gregorio. Tu demanderas à Léonore toutes les informations sur le vol et sur l'heure. Très bien, patron. Aldo ! Je compte vraiment sur toi. Assure-toi que Gregorio ne sache rien sur la dangerosité de la guerre qu'on mène avec les Lopez Mendez. Je sais que tu m'as lu le règlement et que tu m'as dit que personne ne pouvait compter sur personne dans cette entreprise. En tout cas, crois-moi, j'apprécie beaucoup l'aide que vous apportez à l'orphelinat. Ça me touche énormément. T'inquiète pas. Mascarada s'occupe de la fondation qui gère les dons. Maintenant, détends-toi et on va travailler. Ok. Ben alors, t'es pas contrarié ? Sérieux ? Écoute, c'est simple, la marchandise est dans la camionnette. Là, sur le GPS, la route est enregistrée. Avec les centres commerciaux et les points de vente où tu dois la déposer. Ici, il y a les reçus, les factures de la marchandise, que les gens doivent signer dès la réception. La signature est électronique. Et à chaque fois que tu fais une livraison, ça s'enregistre dans l'inventaire. Pour qu'on ait un contrôle exact sur ce qu'on vend. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas compris ? Non. Enfin, si. Je savais que cet appareil existait, mais j'en avais jamais utilisé. Mais t'es certaine que tu peux le faire ? Bien sûr que oui. Donne-moi juste un peu de temps et tu verras que je peux. Tu verras. D'accord, mais ça, qu'est-ce que ça fait là ? Tiens, ton uniforme. Mets-le. Tu sais quoi ? Pour ton premier jour, je vais venir avec toi pour que ça se passe bien. C'est très aimable de ta part, mais t'as pas à me traiter différemment des autres chauffeurs. Non, je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour vérifier les livraisons et observer ton travail. Et Max ? Je voulais lui dire qu'on a aidé l'orphelinat. Monsieur Esquivel n'est pas là. Il vient de sortir avec la nouvelle employée. Comment ? Avec cette sauvage qui a fait un scandale tout à l'heure ? Oh. Bon, tu peux partir. Allez, allez. Oh.
Je veux dîner avec toi ce soir. Voilà. Je veux te connaître, mon cher Max. Avant de ressentir quelque chose pour toi, j'ai besoin de savoir si tu me conviens vraiment. Parce que je ne veux pas perdre mon temps avec un homme qui n'en vaut pas la peine. Amelia s'occupera de la présentation. Et vous, vous vous occuperez de la sécurité. Je ne veux pas qu'Ézéchiel me sabote le lancement de demain, c'est compris ? Oui, papa. Bien. Monsieur, quelqu'un pour vous ? Oui ? Excusez-moi de vous interrompre. Entre, Luciano. Fernando, pour nous deux, c'est bon. Comment vas-tu ? Bien. Assieds-toi. Merci. Pourquoi as-tu mis une bombe à mascarada, Fausto ? Ah, tu es d'abord allé parler avec Ézéchiel et puis avec moi. Je n'ai posé aucune bombe. Depuis notre bureau, on peut faire malheureusement très peu de choses pour remédier à ces disputes. Mais je vois bien que chaque jour, ça devient de pire en pire. Luciano, si on me donne un coup, moi j'en rends deux. Que ce soit bien clair entre nous deux. Ézéchiel voulait se venger d'une chose qu'il croit que je lui ai faite. Et c'est pour ça qu'il m'a brûlé tous mes catalogues de campagne que je vais lancer demain. Mais je ne veux pas te mêler à tout ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas accusé comme si j'étais une mégère jalouse. Excuse-moi, mais je voulais juste entendre ta version des faits. Mais je vois que ce n'est pas en discutant que ça se réglera entre vous. À très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Leandro a encore eu une convulsion. Mon amour, une autre attaque ? Tu vas bien ? Parle-moi, s'il te plaît. Il faut l'emmener chez le médecin. Au fait, tu as pris tes pilules ? Hein ? En fait, je me sentais bien et j'ai oublié de les prendre pendant quelques jours. Tu dois toujours les prendre, Leandro. T'aurais pu te faire mal et avoir d'autres problèmes. D'accord, t'as raison, frérot. Excuse-moi. Je veux juste être normal, comprends-moi. Tu l'es, Leandro, tu l'es. Non, c'est pas vrai, je le suis pas, Octavia. Parce que vous me traitez tous comme un malade. S'il vous plaît, ne dites rien à papa. Sinon, il va me traiter comme un bon à rien et me laissera pas travailler. Non, t'inquiète pas, Leandro. Je te jure que ni ton frère ni moi irons parler à ton père. Mais tu dois te calmer pour ne pas avoir d'autres crises, ok ? Bien. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Qui a dit que je n'y arriverais pas, hein? Regarde. Je voulais pas dire. Mais t'inquiète pas, je t'en veux pas de ne pas me faire confiance, tu sais. Tu verras juste qu'un jour tu vas rentrer sans moi. Tu sais quoi? Tu mérites. Non, on mérite. Un petit café et un peu de repas. Ma reine ? Ma reine ! Ma reine ! Hé ! Hey ! Ma reine ! Hé ! Hey ! J'arrive, attends-moi ! Attends, je descends ! Ma reine ! Camilla ! Ma reine ! Tu vas bien ? Mon amour ! Que fais-tu avec Max ? Vengo con las ganas que jamás había tenido. Vengo de su mano, vengo con todo. Max, c'est mon chef, ah, ma reine. Oui. Je viens de commencer à travailler bonjour. À Mascarada en tant que chauffeur poids lourd, c'est super. Mais bonjour, hein. Ma reine, ça tombe bien que justement je tombe sur toi ici. Tu te souviens quand j'ai été baptisée à l'orphelinat Christ Rédempteur ? Oui. Tu te souviens que tu avais cherché ma mère, mais un beau jour, t'as appris qu'elle était morte et du coup t'as arrêté de la chercher. Mais bien sûr que je m'en souviens, mon amour. Pourquoi tu me demandes ça maintenant ? Parce que j'ai découvert qu'elle aussi, elle me cherchait. Non, non, c'est impossible. C'est impossible parce que j'ai bien cherché. Lily n'avait pas de mère. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ma reine, enfin, atterris, je te parle de moi, là. Ah. J'ai appris que ma mère est allée à Christ Rédempteur un jour avec une photo. Et elle a parlé à Mère Isabelle. On va faire une chose, ok ? Écoute, Max t'attend ici, c'est ton premier jour de travail. Termine ce que tu as à faire et passe à la maison. Et on parlera plus tard tranquillement, ça te convient ? Tu aimes recevoir ? Oui, mon amour. Alors compte sur moi, ma reine. Vas-y, Camilla, vas-y. Bye. À ce soir. Fais attention à toi. Oui. Ciao, Max. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Aïe, aïe, aïe. Alors personne ne sait me recevoir ?
Mon Dieu, mon chéri. Quelle surprise. Je ne savais pas que tu venais. Pourquoi tu ne m'as pas prévenue? Regarde comme tu es beau. Ah, maman, tu exagères. Tu m'as vu il n'y a pas longtemps. J'ai avancé mon billet parce que je voulais vous voir. Tes évaluations sont terminées? Non. Bien sûr que oui, maman. Je ne suis pas restée pour la célébration parce que c'était fatigant. J'ai préféré venir à la maison. Vous m'avez beaucoup manqué. Ah, Gregorio, raconte-moi, combien de copines t'as laissées aux États-Unis? Je les ai mises dans mes valises pour qu'elles ne deviennent pas folles sans moi. Personne n'a touché à ma chambre, n'est-ce pas? Elle est intacte. Même tes magazines d'adolescents sont sous ton lit. Amélia, on va faire une grande cérémonie pour fêter le retour du plus jeune de la famille. C'est super. Je suis heureuse. Je te promets qu'à partir de maintenant, on ne te séparera plus. Et Fernando et Roger, où sont-ils? Ils sont au travail en ce moment. En fait, demain, on a une présentation super importante. Concernant papa, je demande pas parce qu'Aldo m'a dit qu'il devient fou avec le travail. Oui. Et qu'il n'essaye même pas de me dire que demain, il y aura une présentation. J'ai déjà des plans. C'est pas vrai. Ne t'en fais pas. Vas-y, prends ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais bien. C'est incroyable, Leandro, t'as eu une autre crise? Et qu'est-ce que tu faisais? On est allé brûler les catalogues de Capriccio et je suppose que l'adrénaline a provoqué encore une crise. Vous avez brûlé les catalogues de ces gens? C'est une attitude stupide! J'en ai assez de cette guerre! Arrête, ok? Je veux pas qu'on se dispute. Allez, on y va, il faut que tu te reposes. On y va. Imagine s'il s'était blessé, Octavia. Je comprends pas pourquoi mon père le mêle à cette guerre. Ça tombe bien que je devienne bientôt majeure pour m'en aller de cette maison. Non, ne dis pas ça, Julia. Tu ne le penses même pas. Ça tuerait ton père. Je veux vivre ma vie. Je ne veux pas être angoissée comme toi. Ça tombe bien que j'ai bientôt 18 ans parce que je te jure que je ne supporte plus de rester dans cette maison. Tu les aimes. Ils sont ta famille. Je les adore. Mais ça ne m'oblige pas à faire partie de cette guerre que mène mon père contre les Aragon de la Rosa. Julia va bientôt avoir 18 ans. Et de ce fait, tu peux la courtiser. Mais seulement avec intelligence, comme si je ne savais rien. Je veux que tu sois vraiment galant avec elle. Que tu la respectes. Que tu lui montres combien l'amour est beau. Que tu lui fasses beaucoup de cadeaux, que tu lui fasses plaisir, que tu prennes soin d'elle. On est bien d'accord, ok? Eh bien, Ézéchiel, tu sais que j'ai toujours admiré Julia. Qu'est-ce que t'admires chez Julia? On peut admirer une voiture, un sportif, un artiste célèbre, un entrepreneur qui réussit comme moi. Les femmes, on les aime. On les adore. On les protège. C'est ce que je veux que tu fasses avec Julia. Que tu deviennes fou amoureux d'elle. Et d'ailleurs, le plus important pour nous, c'est que ça n'ait pas l'air d'un mariage arrangé, parce que ça n'est pas le cas. Ok. Alors je vais traiter Julia comme une reine. Et ne la maltraite pas. Ne la fais pas pleurer. Parce que les larmes de Julia sont de l'eau bénite. Pour chaque larme qui coule, je te prendrai 10 fois ton sang. C'est un conseil, rien de plus. Santé. Je savais pas que Elda était ta marraine. Sa famille et la mienne se connaissent depuis très longtemps. Et vous parliez de quoi? À l'écart? Dis donc, t'es un peu curieux? Tu fouines beaucoup trop. Excuse-moi, je voulais pas... Mais non, t'inquiète, je rigole. Ok, dis-moi, t'es toujours aussi sérieux? Arrête, ne change pas de sujet. Et dis-moi, de quoi vous parliez? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de chercher ma mère. Et c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à ma marraine. Mais ta mère? Pourquoi? Elle a disparu? Je suis orpheline. Ou plutôt, c'est ce que je croyais jusqu'à peu. Maintenant, il y a peut-être une chance que ma mère soit toujours vivante. Ok, mais c'est bien, non? Comment tu l'as su? C'était le jour où j'ai été arrêtée. T'es venue me chercher, tu t'en souviens? Eh bien, la policière qui m'a interrogée m'a dit que ma mère était à ma recherche il y a très longtemps.
et elle l'a envoyé à l'orphelinat Christ Rédempteur. Alors ensuite, j'ai demandé à Mère Isabelle et elle me l'a confirmé. Elle m'a dit que oui. Franchement, je suis désolée pour tout ce que... Oh, non, ne sois pas désolée. Ne sois pas désolée parce que moi, je le suis pas. Est-ce que j'ai eu une vie difficile? Ouais, sûrement. Mais je suis toujours allée de l'avant et cette fois, ce sera pareil. La seule chose un peu dure, c'est que pour chercher ma mère, j'ai besoin d'argent. Et c'est pour ça que je t'ai demandé une avance sur mon salaire. C'est comme si c'était fait. Tu l'auras, ton avance. Je veux que le Benjamin de la famille me fasse un câlin qui dure aussi longtemps que les années où il était loin de moi. Vieux fou! Tu m'as beaucoup manqué. Et arrête de me dire que je suis le Benjamin maintenant. Je suis majeur et vacciné. On dirait que ce beau visage veut recevoir quelques coups pour se calmer. Tu seras toujours pour moi le plus jeune, et même quand tu seras vieux. Quel moment magnifique. Tous mes enfants sont réunis. Et quels sont tes plans? Me chercher une copine? Je m'occupe de ça, Gregorio. Immédiatement, je vais trouver la plus belle des femmes pour toi. Ah! Je n'arrive pas à y croire, mon petit garçon qui a déjà 18 ans. Fausto, tous nos enfants ont atteint la majorité. On a fait du bon travail. On a aussi été gâtés par le bon Dieu avec notre autre garçon. Parce que Roger est autant notre enfant que Fernando, Amélia et Gregorio. C'est pas beau la vie? Ah, on va célébrer le fait que notre famille soit unie plus que jamais. Plus rien ni personne ne pourra nous séparer. On trinque aux retrouvailles des Aragones de la Rosa. Vive la famille. Et ton copain va t'aider à retrouver ta mère? Parce que moi, je pourrais. Si tu veux savoir si j'ai un copain, un mari, un amant, un chien de compagnie ou quoi que ce soit d'autre, demande-moi directement et je te répondrai. Bon alors, dis-le-moi d'abord. Est-ce qu'il y a une Madame Esquivel? Non. Il y a pas longtemps, j'avais une relation avec... avec un mannequin, et maintenant je suis tout seul. Bien sûr. C'est évident. C'est vrai, quand on évolue dans un monde de modèles, on côtoie forcément beaucoup de femmes mannequins. Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Tu m'as pas encore répondu. Non, j'ai jamais eu de copain. Ok. Tu fais référence au fait que... tu n'as jamais eu vraiment de relation sérieuse? Ou alors que tu n'en as jamais eu tout court? Oui, bon, c'est bon. On arrête de se reposer là. On ferait mieux de retourner travailler. Allez, viens, on y va. Je veux t'aider à retrouver ta mère. Merci, mais tu n'as pas besoin de m'aider juste parce que tu as pitié de moi. Et en plus, cette histoire ne te regarde en rien, d'accord? C'est entendu. On ne parle plus de ce sujet. Il y a des choses qui ne regardent que moi, Max. Moi, je peux pas me permettre. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste être gentil. Mais tu as raison. Je ne te connais pas et ce qui se passe dans ta vie ne me regarde pas. Tu as tout compris concernant le travail. Tu termines ta ronde et tu ramènes la camionnette à l'horaire prévu. On m'a dit qu'aujourd'hui, tu t'étais promené dans les boutiques. T'étais pas sorti depuis longtemps. Tu étais avec cette fille, la nouvelle. Hein? J'ai aussi appris que tu es allé en personne la sortir de prison et que tu as payé sa caution. Oui, je voulais l'aider. C'est pour ça qu'on a la fondation Mascarada, pour aider. Et celle qui s'en occupe, c'est Astrid, pas toi. D'accord, je l'ai aidé comme j'aurais pu aider n'importe quelle personne dans le besoin. En fait, je ne voudrais pas penser que tu essayes de faire entrer cette fille dans l'entreprise. Et si c'était ce que je faisais, hein? Est-ce que tu aurais un problème avec ça? Non, fiston, au contraire. En fait, je voulais te remercier de l'avoir engagée. Parce que tu sais, cette fille m'intéresse beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu te trompes, papa. Parce que Camilla n'est pas... une de ces mannequins avec lesquels tu fais la fête. Ah, je le sais, fiston, je le sais. Mon Dieu, cette fille est...
comme une flamme. C'est ce que j'adore chez cette femme. Ah, fiston, n'oublie jamais, ici le père, c'est moi. Ce que je fais, ou ce que je ne fais pas, avec Camilla, ou avec les autres femmes, c'est mon problème. Père Tiziano, je suis très inquiète pour Camilla. Les choses se sont empirées, croyez-moi. Aujourd'hui, je suis allée voir Ezequiel Lopez Mendez. Et imaginez, j'ai trouvé là-bas la petite Camilla. Et je n'étais même pas au courant qu'elle travaille chez eux. Et pourquoi êtes-vous allée voir Lopez Mendez? Mais je sais que c'était une erreur. Je sais que je n'aurais pas dû aller le voir, mon père. Mais vous me connaissez, j'étais trop inquiète. Ne me regardez pas comme ça. Je sais que je rentre dans un cercle vicieux. Mais mon père, je ne sais pas. Croyez-moi, je prie tous les jours que Dieu fait pour que ma chère Camilla ne retrouve pas sa mère. Camilla, elle veut retrouver sa mère. Et elle a su aller au bon endroit. Chez Ezequiel Lopez Mendez. Que Dieu te bénisse, mon amour. Écoute, viens, viens, attends 5 minutes, non, on va s'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir, ma reine. Je ne peux pas m'asseoir. En fait, je suis comme une pile électrique. Je me sens comme une pile électrique depuis que je sais que ma mère est vivante. Et j'arrive pas à penser à autre chose. Mais on va en parler tranquillement, ok? Mais comment tu veux que je me calme? Je suis restée calme suffisamment longtemps. Écoute, j'ai passé de nombreuses années à y penser sans arrêt, à pleurer en cachette, désespérée en essayant de me convaincre depuis que j'ai 5 ans que je suis perdue. Regarde. Regarde. D'où tu sors cette photo, Camilla? Qui te l'a donnée? C'est Mère Isabelle. C'est pour ça que je suis là, parce que je voudrais que tu m'aides à retrouver ma mère. Camilla, dis-moi pourquoi cette période de ta vie? Parce que c'est ma mère. La femme qui m'a donné la vie. Celle qui doit être avec moi dans les bons et les mauvais moments. Je n'avais que 5 ans. Un enfant à cet âge est sans défense. On ne sait rien de la vie. C'est comme un animal qui a besoin de protection et d'amour. Ma reine, j'en suis arrivée à me détester. J'ai même pensé que si ma mère ne m'aime pas, alors qui va m'aimer? Et maintenant, je découvre que ma mère est vivante et qu'elle me cherche. Ne t'inquiète pas, Camilla. Je vais t'aider à retrouver ta mère. Si Mère Isabelle est revenue, c'est pour quelque chose. Cette nonne de Carrizo n'est pas venue juste pour de l'argent, par vrai, monsieur. Il y a aussi autre chose. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais à parler tout seul, papa? Je t'attendais, mon amour, pour avoir une discussion. Parler de tes 18 ans, du futur. Il faudrait d'abord que je les ai eus. Et s'il s'agit de mon futur, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de commencer l'université puis ma carrière dans la publicité et le management. On va faire une fête énorme. Parce qu'on ne fait pas les 18 ans de n'importe quelle fille de ce pays, non, monsieur. On va faire le meilleur anniversaire du siècle. C'est pas nécessaire. Je ne veux pas que toute la famille soit réunie. L'idéal aurait été que Sébastien soit ici, mais on ne sait pas quand il reviendra. Mon amour, quand tu commenceras tes études, je voudrais que tu t'intéresses vraiment à Mascarada. Parce que le jour où je ne serai plus là, cette entreprise sera à toi et à tes frères. Mon papa chéri, ne dis pas ça. Et dis-moi une chose, approche. Raconte tout à papa. Tu as beaucoup de prétendants ou tu as déjà un copain depuis un moment et je ne suis pas au courant? Des prétendants, énormément. Des copains, aucun. Tout ça ne m'intéresse pas, papa. Je veux me focaliser uniquement sur mes études. Voilà. Écoute, mon amour, je vais fouiller dans mes papiers. Je te promets que si je trouve quelque chose, je te le dis immédiatement. Ne t'inquiète pas, ok? S'il te plaît. Et n'oublie pas. Écoute. Astrid, écoute. Elle, c'est Camilla. Ah, c'est ma fille, Astrid. Oui, je la connais. Oui. C'est elle qui, aujourd'hui, a aidé la mère Isabelle. C'est elle qui a donné de l'argent pour les enfants du Christ Rédempteur. Elle est géniale, Astrid. Comment vous allez, mademoiselle? Non, excuse-moi, mais je ne vois pas qui tu es. Non? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas collègues, on ne travaille pas ensemble, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais oui, on s'est déjà vus.
Non, ma grande. En fait, je n'ai pas la moindre idée de qui tu es. Ma reine, je savais pas que vous aviez une fille si élégante et sympathique. Oui, elle est belle. Dès que je l'ai vue, elle m'a rappelé un matin d'été ensoleillé. Bon, il vaut mieux que je parte. Je voudrais pas vous déranger. Oui. À bientôt. Merci encore. Et n'oublie pas. Je te le promets. Mais tu la connais pas? Je peux savoir pourquoi cette marginale est ici, maman? Je comprends vraiment pas dans quel monde tu vis pour parler avec ce genre de personne. Il est temps que tu redescendes sur terre, maman, et que tu comprennes que même si on était complètement fauchés, on est différent de ce type de personne. On est des gens supérieurs, tu comprends? Cette alliance avec Chila est un fait. On verra ce qui se passera par la suite. Il se passera rien. Ézéchiel a tout calculé. Tu vois, j'avais raison. Ton père a toujours été honnête avec moi. Et toi, tu n'as pas confiance en lui. Et comment je ferais confiance à un homme qui a fait fortune sur ton dos? Qui profite de toi? Parce qu'il sait que la seule chose que tu veux dans la vie, c'est te marier avec lui. Du coup, il te vole à chaque fois qu'il le peut. Il ne me vole pas. Tout ce que je lui donne, c'est parce que je suis d'accord. Tout ce qui est à moi est à lui. Et pourquoi tout ce qui est à lui n'est pas aussi à toi? Maman, avec tout ce que tu as investi dans Mascarada, tu devrais au moins être l'associé majoritaire, pour ne pas dire la patronne. Et tu n'as aucune action. Tu n'as rien. Pourquoi tu ne réclames pas ce qui te revient de droit? Ah non, je n'aime pas ce genre de choses. Toi non, mais moi si. Maman, tu veux que je récupère Mascarada pour toi? Ah, ça serait bien. Oui, oui. Ok. Si ça te fait plaisir, bien, fais-le. Eh bien oui, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer tout ton argent. Je vais te rendre chaque centime qu'Ezequiel Lopez Mendez t'a pris. Comme tu ne répondais pas. Quelle surprise! Entre, viens. Je vais te présenter ma mère. Je t'en prie. Fiston, c'est la femme qui t'a cassé le nez? Non. Maman, ça n'a rien à voir. Ah. Vous venez, madame? Oui, vas-y, maman. Va donc te reposer, ok? Viens. Et... dis-moi, ta maman, elle va bien? Oui, enfin, elle n'a pas une très bonne santé. Elle n'aime pas beaucoup rencontrer les gens. Elle a un trouble de la personnalité depuis très longtemps déjà. Tu ne la verras jamais entourée de gens. C'est quasiment impossible de l'emmener dans un lieu public. Elle préfère être à l'écart du monde. Elle se sent mieux ici, dans sa bulle. Ah, Max, je suis triste pour toi. Bon, comme je pensais qu'on pourrait pas sortir, j'ai décidé d'apporter le dîner. Tu aimes la nourriture chinoise? Bien sûr, j'adore. Pose tout ça ici. Oh. Et voilà. J'ai accepté le travail. Je pensais que c'était dur de marcher à pied, mais essaye un peu de travailler dans une voiture toute la journée en plein bouchon et tu verras. J'ai quelque chose à te dire. Devine qui j'ai vu à Mascarada. J'ai vu Mère Isabelle. Elle était à la recherche d'argent pour l'orphelinat Christ Rédempteur. Regarde. C'est ton premier jour à Mascarada et tu fais déjà sensation. Qui c'est qui a envoyé ça? Y a pas de nom sur la carte. Eh bien, c'est un admirateur secret. Allez, Camilla, accepte et fais pas cette tête. Tu as plu à Max et il t'a envoyé des fleurs. Elles sont belles, non? Non, elles sont horribles. Pire, ce sont les fleurs les plus moches que j'ai vues de toute ma vie. J'ai envie de les arracher et les réduire en miettes. Mais bon, vaut mieux pas parce que sinon demain, je pourrais plus les rendre. Non mais comment ça tu vas les rendre? Camilla, sois pas bête, c'est un beau geste. Je ne veux de cadeaux de personne. Moi, j'aime pas les cadeaux des autres et encore moins d'une personne que je ne connais pas. Du coup, si j'accepte les fleurs de cet homme, il va croire qu'elles m'ont plu. Et elles ne m'ont pas plu, pas le moins du monde. Le fait d'accepter les cadeaux des hommes est dangereux, Yeli, parce qu'ils veulent toujours quelque chose en échange. Et je ne laisserai aucun homme s'attaquer à ma liberté. Mais pourquoi tu sabotes toujours tes chances de tomber amoureuse? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que t'aies aussi peur de l'amour? J'ai fait des recherches sur la couronne de fleurs et le maître chanteur. Et... je crois savoir qui c'est. Alors dis-moi qui c'est. Arrête d'être mystérieuse. C'est Marcelina. Marcelina?
Sérieux? Octavia. Octavia, ne sois pas bête. Et ne me prends pas pour un idiot. Je sais que tu inventes ça parce que tu détestes ta sœur. Parce que ta sœur est la millionnaire de la famille. Et toi, tu dois te contenter d'un salaire qui ne me donnerait même pas envie de travailler. Je travaille pour toi parce que je le veux. Et pas parce que j'en ai besoin. Écoute, en parlant de besoin, laisse la porte de ta chambre ouverte. Car d'ici un instant, après deux boissons, je viendrai te rendre visite. Sérieux? On dirait une petite fille dans un magasin de jouets. Ne te réjouis pas, j'ai dit dans un instant. C'est pas sûr. Mais dans tous les cas, fais-toi belle, mets le parfum que je préfère, parce que qui sait ce qu'il peut arriver. Ma priorité, c'est de mettre en avant la Fondation Mascarada. Et aussi, j'espère que mon travail n'interfère pas avec ce qui compte vraiment pour moi. Rencontrer l'homme parfait, pouvoir me marier, fonder un foyer. Tu veux te marier et avoir des enfants? Mm-hmm. Et moi qui croyais que t'étais une de ces femmes super professionnelles pour qui seule sa carrière compte et passe avant toute chose. Ah oui? Et si c'était le cas, alors, ce serait mal? Mal, non. Une femme aussi jolie que toi peut tout se permettre. Mais ça tombe bien. Moi aussi, je veux me marier et fonder une famille. Et dans cette famille, avoir beaucoup d'enfants. Max, j'ai vu que ta mère est accompagnée d'une dame. Et d'après ce que tu m'as dit, elle n'aime pas beaucoup sortir de la maison. Oui. Comme je te l'ai dit, elle ne va pas bien. Ce que je n'aime pas, c'est comment elle gère son argent. Elle adore mon père et à chaque fois qu'il lui demande de l'argent, elle lui donne. Alors... Ah, mais Max, tu ne peux pas laisser faire ça. C'est ton argent, ton héritage. Tu ne peux laisser personne te prendre ce qui t'appartient. Non, cet argent n'est pas à moi. Moi, je sais comment gérer ma vie et je n'ai pas besoin de l'argent des autres. Je le fais parce que je pense à ses intérêts, c'est tout. Rien de plus. On va dire que c'est une question d'honneur. Je ne veux parler ni d'amour, ni des hommes, ni d'autre chose. Alors t'es gentille, tes questions, tu te les gardes. Camilla, il t'est arrivé quelque chose avant d'entrer au Christ Rédempteur? Mais qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? T'inquiète pas. Écoute, parfois, il y a des choses qu'on a envie de garder pour nous. Et les autres doivent respecter ça. Mais pour que tu aies la conscience tranquille, il ne m'est rien arrivé de mal. Ils m'ont rien fait de mal, ils n'ont pas abusé de moi, rien de tout ça. Bon. Très bien, excuse-moi. La sécurité du salon pour l'événement. Tout le monde sait ici qu'on ne peut pas laisser entrer quelqu'un en lien avec les Lopez Mendez. Ezekiel n'a aucun moyen pour saboter l'événement, papa. Il n'osera jamais le faire directement. Et c'est pour ça que je voulais organiser ça au Palais des Congrès. Mais je connais cette espèce. Dis-moi, on est prêt, Fernando? Oui. Alors que l'événement commence. Les marchés ont ouvert en hausse pour Mascarada, Luciano, que demander de plus? Ezekiel, là, c'est la présentation de la nouvelle campagne de Capriccio. Et j'espère qu'il n'arrivera rien pendant l'événement. Tu es au courant que la chambre de commerce est très inquiète au vu de ce qui se passe en ce moment entre Fausto et toi? Mais pourquoi tu me le dis à moi? C'est vrai, Fausto n'est pas mon ami, mais je souhaite toute la réussite du monde à son entreprise. Parce que ses employés ne sont pas responsables, ils ont une telle pourriture comme chef. Je te dis ça parce que je sais très bien que tu es loin d'être un saint. Je ne le suis pas. Si je l'étais, je serais différent et je serais entouré de sages. C'est vrai. Je serais un saint très impressionnant parce que s'il y a une chose que j'aimerais, c'est faire du bien aux gens. Très bien. Je vais te faire confiance. Et en l'amitié qui nous unit. Pars tranquille, il ne se passera rien, sûr. À bientôt. Tu es sûr?
Xavier, viens dans mon bureau parce que je viens d'avoir une idée merveilleuse contre les Aragones. Et dépêche-toi. Alors, après avoir signé ce contrat, tu commenceras à faire partie de la famille Mascarada. Merci. Je vais faire partie de la famille Mascarada après avoir signé ce contrat. Eh bien, moi qui croyais qu'avec le dîner d'hier, c'était amplement suffisant. Alors toi, reprends tes fleurs. Et pour ton information, je trouve que c'est plutôt abusé. Abusé. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas parce que tu m'as donné un travail que ça te donne le droit de profiter de moi. C'est pour ça que t'as envoyé des fleurs pour que je tombe amoureuse de toi. Dis-le-moi tout de suite si elles sont de toi, parce que comme ça, je démissionne. Et puis, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu crois que je vois un bouquet de fleurs ? Si j'envoie des fleurs à une femme, je signe la carte, Camilla. Je suis désolé, mais je n'ai pas envoyé ces fleurs. Oh, Max, je t'en prie. Ça doit être très difficile pour une femme d'avoir l'air aussi ridicule. Le principal marché des produits Capriccio, ce sont les personnes qui se maquillent à la maison, dans les toilettes du travail, dans leur voiture, des personnes qui n'ont pas de quoi payer une maquilleuse professionnelle et qui ont besoin de qualité. Mascarada a sorti une nouvelle ligne de maquillage pour le corps. Ça fait partie de vos nouveaux produits ? Il suffit d'utiliser les produits Capriccio une seule fois pour les adopter pour la vie. Vous n'avez pas peur que lors de votre événement, on pose une bombe, comme dans celui de Mascarada ? Ah, mais enfin, voyons. La sécurité dans ce salon est merveilleuse. Alors, profitez donc de celui-ci. Je vous remercie. Je suis nerveuse. Je sens que quelque chose va se passer. T'inquiète pas, j'ai parlé à la sécurité et tout est en ordre. N'importe qui ici pourrait poser une bombe. Tu crois que Mascarada n'avait pas une bonne stratégie pour la sécurité ? Tu as pu entrer à leur événement, toi ? Ici n'entrent pas les Lopez Mendez, ni ceux qui sont costumés. Les enfants, cet événement est absolument fabuleux. Maman, je ne crois pas que c'était une bonne idée que tu viennes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a une bombe à l'événement des Capriccio, au palais des congrès. C'est sa force dévastatrice qui est pratique pour surmonter les obstacles et accomplir ses ambitions. Mais comme ça... Comment a été ta journée, ma belle ? Mon amour, tu m'as fait peur. Je t'ai pas entendu arriver. Comment t'es entrée ? Tu sais, Marcelina, il y a quelque chose que je ne peux pas m'enlever de la tête et qui me laisse pas tranquille. Et tu sais comment je suis quand je ne suis pas tranquille. Tu me fais mal, Ézéchiel. Marcelina, tu m'as fait parvenir une couronne de fleurs à mon bureau. C'est toi qui me fais chanter. Ah, ma sœur, je suis contente de vous voir. Vous pouvez entrer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas de vos nouvelles. Comment vous allez ? Elda. Excusez-moi de venir comme ça à l'improviste. Mais c'est important, ce n'est pas une visite de courtoisie. Asseyez-vous. Je suis venue pour quelque chose qui m'inquiète vraiment. Il s'agit de Camilla, n'est-ce pas ? Elda, s'il vous plaît. Je vous implore, mais sous n'importe quelle circonstance, en aucun cas, vous ne devez parler à Camilla de choses qui auraient à voir avec sa mère. On vous demande de quitter cet endroit immédiatement. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît, vous ne pouvez pas évacuer tous les gens qui sont ici. On doit évacuer cet endroit. Il y a une menace de bombe. Une menace de bombe ? Et de qui ? Je ne vous laisserai pas semer la panique dans ce salon et évacuer tous ces gens juste sur une supposition. Marraine ! Ah, viens. Marraine ! Vas-y, Cruz, vas-y. Marraine ! C'est Camilla ! Ah, mais... Marraine ! Acelerado
y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.